If the poet says that he can inflame men with love, which is the central aim in all animal species, the painter has the power to do the same, and to an even greater degree, in that he can place in front of the lover the true likeness of the beloved, often making him kiss and speak to it. Leonardo. Alors, La Belle Ferronnière est un tableau pour lequel aussi on connaît assez peu de choses historiques. Nous avons très peu de documents d'archives qui nous parlent de ce tableau. Alors, néanmoins, nous avons des éléments pour pouvoir comprendre où et quand Léonard de Vinci a peint ce très beau portrait. Cette jeune femme est en fait habillée avec la tenue tout à fait à la mode à Milan, on va dire dans les années, la fin des années 1480-1490. Et donc, grâce à cela, on peut être absolument certain que Léonard a peint ce tableau lorsqu'il vivait auprès du duc Ludovic le Mort. Alors, le portrait de la Belle Ferronnière pourrait être, c'est l'une des hypothèses les plus séduisantes, le portrait de Lucrezia Crivelli, la dernière maîtresse du duc Ludovic le Mort. Mais le regard qui semble au premier coup d'œil nous regarder, en réalité, il n'est pas tout à fait dirigé vis-à-vis du spectateur, il nous échappe légèrement et il est tourné vers la gauche. Donc on a vraiment l'impression de ce corps en mouvement, mais finalement, cette dame extrêmement séduisante nous échappe. Elle ne nous regarde pas, elle n'est pas tournée vers nous. Alors on a beaucoup imaginé, on a beaucoup écrit sur ce regard qui finalement nous échappe. Peut-être, effectivement, est-ce un souhait du commanditaire, peut-être le duc Ludovic le Mort, si c'est bel et bien une maîtresse, une de ses maîtresses, de démontrer dans ce tableau que le regard de sa maîtresse n'appartient qu'à lui et il doit échapper donc à tout autre spectateur.